nationale, donc vous êtes le chef de chapeau. Chef de chapeau, mais il y a toujours un lien. Je pense qu'il n'y a pas de. Les choses ne sont pas étanches. Non, ben, dans la mesure où le programme de travail de l'IREC et sa mission sont intimement liés à la formulation des intérêts nationaux du Québec. Mmh. Évidemment, on n'est pas très loin dans l'ordre des préoccupations du travail que fait l'Action nationale, mmh. même si l'Action nationale est davantage un périodique de référence, mmh. alors que l'IREC est un institut de recherche. Ouais. Notre travail à l'Action nationale est de contribuer à l'enrichissement du débat public en soumettant au lectorat la contribution d'une grande variété de collaborateurs oui. sur une traite, en fait, sur tous les sujets possibles et imaginables, alors que l'IREC concentre son programme de travail. Comme, sur ouais, comment, là, il reste une minute avant la pause, mais on va revenir là-dessus. L'électorat de l'Union actuelle, c'est emparons-nous du Nord. C'est encore le domaine économique. Peux-tu dire en deux mots qu'est-ce que c'est? On va revenir tout de suite. Emparons-nous du Nord, c'était le slogan que le curé Labelle avait lancé à la fin des années 1870 pour encourager la reconquête des Laurentides. Pas seulement la colonisation agricole, mais bien la reconquête de ce territoire qui, à l'époque, était la frontière. Oui. C'était le Nord accessible. Oui. Et pour Labelle, c'était intimement lié, cette reconquête, à un mouvement d'émancipation nationale, oui. c'est-à-dire de pouvoir développer le Nord sous le contrôle de la société canadienne française, avec une industrialisation qui n'allait pas la condamner à la prolétarisation, mais qui allait être un instrument de prospérité, avec une agriculture florissante, avec des infrastructures dignes de ce nom. Et la question du rôle clé des ressources naturelles dans le développement, ben c'est Labelle qui est le premier à l'avoir posé. Et à l'heure où le plan Nord ressemble davantage à une véritable braderie, j'ai cru utile de rappeler que s'emparer du Nord, ce n'était pas seulement que le projet d'une génération, c'est le projet d'un peuple, et depuis longtemps. Bon, tout de suite, on va poursuivre là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de liens entre Labelle et la situation actuelle, et on va en parler tout de suite après la pause publicitaire. Restez à l'écoute, Robert Lafrance sera de retour avec nous dans quelques instants. CIBL 101.5, Montréal. Tout de suite avant la pause, on parlait du curé Labelle. Il y a 150 ans, vous connaissez Labelle dans le Nord, ceux qui connaissent un peu moins l'histoire récente, l'histoire du Québec, que Labelle a lancé cette idée s'emparer du Nord. Et là, j'ai demandé à Robert de nous expliquer la comparaison avec cette époque-là et de maintenant, et aussi la longue traversée du désert jusqu'à la rue sont tranquilles et sont maîtres chez nous, et comme tu as écrit, pour desserrer l'étau. Alors, peux-tu expliquer cette comparaison, puis c'est quoi le livre? Oui, bien rapidement, le projet du curé Labelle au 19e siècle, c'est une utopie de reconquête économique. Au moment où Labelle lance l'idée de développer le peuplement du Nord, le grand capital s'est déjà emparé des ressources stratégiques du Nord, les forêts et les ressources hydrauliques. Et Labelle dit, si nous n'occupons pas le territoire avec une vision globale pour reconquérir le contrôle de ces ressources et pour mettre en place une structure économique entièrement sous notre contrôle, nous serons condamnés à rester un peuple de pauvres et de dépossédés. Labelle, évidemment, c'est un utopiste. Alors, il n'a pas nécessairement les moyens de ses idées, mais il va travailler avec acharnement pour essayer d'inscrire les colons canadiens-français dans une logique d'industrialisation. C'est Labelle qui va avoir le projet du chemin de fer qui va relier Montréal à Saint-Jérôme d'abord et éventuellement jusqu'à Mont-Laurier et au-delà. Et donc, le petit train du Nord. Mm-hmm. Et c'est Labelle qui va développer les premiers projets de création de filature à Saint-Jérôme, mm-hmm. en allant chercher du capital étranger, d'ailleurs, ce qui est une belle preuve que jamais le Québec n'a été fermé sur le monde. Mm-hmm. Labelle est allé chercher du capital étranger parce que, justement, le capital canadien et le capital anglo-canadien lui étaient complètement fermés et interdits.
Et donc, Labelle avait cette idée que les ressources naturelles, qui sont de la propriété de tous les Québécois, c'est une ressource collective, pouvaient servir de levier d'émancipation et de développement de l'économie du Québec sous contrôle québécois. C'est là où je trouve le lien avec le plan de Nord. Je pense que c'est important de dire, bon, il y avait manqué de moyens, mais on s'était emparé dans cette période-là des ressources. Et ça a été très long. Parce que, essentiellement, les limites que Labelle a rencontrées, c'était les limites de, à la fois de la domination canadienne et celle de l'adhésion d'une partie importante de la bourgeoisie canadienne française au libéralisme économique débridé, à l'idéologie du laisser-faire. Or, cette idéologie-là, elle a été incarnée par le Parti libéral du Québec, qui a mis d'abord Lomer Gouin, ensuite Taschereau au pouvoir pendant 30 ans. Et ces libéraux-là ont pratiqué une forme de laisser-faire qui a littéralement encarcané l'économie du Québec dans une logique de dépendance à l'égard du grand capital étranger et qui a livré, pour l'essentiel, le peuple du Québec à une prolétarisation nationale.